this girl, she used to dance. She used to live in my mind and play in my heart. I used to know this girl, she used to move. She used to tell me a lie and then show me the proof. Well, she don't dance no more. She don't dance no more. No, she don't dance no more. Say she don't dance no more. So I don't need her. Salut, bienvenue à tous. Nous vous accueillons aujourd'hui sous la pluie. Je vais vous faire vivre cette rencontre en compagnie de Pierre Ménès. Je ne vous apprends rien, c'est aujourd'hui que la Ligue 1 Conforama reprend ses droits avec donc ce match, le GC Nice contre Amiens. Une belle façon de saluer la reprise du championnat. On a le droit à une superbe ambiance en tribune. L'attente a été longue, mais maintenant ça y est, c'est parti. Et l'idéal, évidemment, c'est de commencer par une victoire. Le ballon qui file en touche. Après cette mauvaise passe, la pluie qui a fait son apparition pour ce match. C'est un facteur qui peut avoir son importance, je pense notamment aux balles qui fusent et aussi aux appuis qui seront peut-être un petit peu plus délicats. La composition de l'OGC Nice, regardez là. Alors, tactiquement, l'entraîneur a choisi un 4-3-3. L'avantage du système, c'est à la fois d'avoir la maîtrise au milieu et de pouvoir exploiter toute la largeur en attaque. La composition de l'Amiens Sporting Club, la voici. L'entraîneur a choisi de densifier son milieu de terrain en alignant un 4-5-1. On va donc voir un bloc. Allez, il faut le mettre celui-là. Le gardien qui ne peut que repousser, c'est pas terminé. Non, la position est très nette, absolument hors jeu. Ballon ça. Cyprien. C'est un match que tous les supporters du club attendent. Ils ont vraiment hâte de découvrir ce nouveau milieu de terrain. Un ballon qui est rendu au camp adverse. La rencontre du jour va se disputer dans ce stade qu'on peut qualifier de belle arène. Alors déjà, il n'y a pas un poteau pour nous gâcher la vue, donc c'est bien, pas mal. Cette petite phase de possession, ils perdent finalement le ballon. Fernand Yatero, ce ballon qui file jusqu'au gardien. Il va pouvoir relancer son équipe. Youssef Attal. Onas. Allez, peut-être une bonne occasion. Lesmelou. Ouais, parfait ce tacle. Ça pouvait vraiment faire but derrière. Attention à cette action. Dolberg. Oh oui, très beau. Magnifique parade du gardien. Un corner adressé au niveau du point de pénalty. Chercher la faille dans la défense adverse. Oh, quel arrêt. Un plongeon exceptionnel. Le corner, le ballon... Corner repoussé par le gardien. Oh, le joli plongeon pour rassurer tout le monde. Ouais, c'était pas la peine de forcer là-dessus, mais bon, faut y aller quand même. Hors jeu indique l'arbitre. À mon avis, de très peu. Hein. Quelques chiffres pour illustrer ce gros quart d'heure niçois avec une grosse possession notamment. C'est une bonne phase pour cette équipe. Si elle n'est pas trop maladroite à l'approche du but, logiquement elle va marquer. Di Bassi. On écarte le jeu. Essaye de trouver la faille. Le centre à destination de ses partenaires. Le danger ne viendra pas en tout cas de cette tête. Ouais, ça passe loin du cadre quand même. Cyprien, Pierre Lesmelou. Ballon de ça.
Et l'attaque va s'arrêter là. Ah, c'est pas fini. Ils peuvent peut-être partir en contre. Il a mis la tête pour sortir ce ballon en touche. Il passe. Ah non, c'est un adversaire qui récupère cette passe. La passe est coupée et bien défendue. Ah oui, il cherche un partenaire dans la profondeur. Le centre est contré, ça ne donne rien. Il y aura 2 minutes de temps additionnel, ce n'est pas énorme. Steven Mendoza. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour l'aider? Le gardien qui n'a pas trop à s'employer hein, sur cette action. Ouais, il cope facilement cette tête. Ça y est, c'est la mi-temps. 45 minutes dans ce match, toujours pas de but, 0-0. Les deux équipes qui sont venues du vestiaire, qui vont pouvoir reprendre le jeu dans ce match très équilibré pour l'instant. Steven Mendoza. Ouais, très très beau geste défensif. Allez, attention, il se rapproche du but adverse. Bien centré parce qu'il y a du monde. Ouais, il donne de l'air à son équipe. Cyprien. Dante. Pierre Lesmélou. L'ouverture. Le tir. Et l'arrêt du gardien. Le corner, le ballon qui arrive au point de pénalty. Mauvais dégagement là, attention. Attaque peut-être. Ah, dommage, ça ne s'est pas développé suffisamment rapidement cette contre-attaque. Steven Mendoza. Ouais, il a tout le couloir devant lui. Ah, il parvient à stopper cette offensive. Pierre Lesmélou. On a atteint l'heure de jeu. Dante. Pierre Lesmélou. Ah, il y a beaucoup d'espace devant. Touche pour Nice. Bien défendu à côté de la ligne de touche. La dernière recrue du Real Madrid a été officialisée. Oui, sachez que la transaction se situerait dans des sphères assez folles. Cherche une solution pour son partenaire au premier poteau. Bernard qui écarte le danger des points. Oh, c'est bien donné dans l'espace. Hors-jeu. Ah, dommage, il partait au but. C'est un double remplacement qui se prépare. Mauvaise passe directement dans les pieds de l'adversaire. Un ballon pour l'adversaire. Ils sont allés presser l'adversaire pour aller lui prendre ce ballon. C'est... Oui, il y avait un espace, il l'a vu. Dolberg. Et l'ouverture du score. Oh, le but.
Oh, qu'il a été long à venir ce but! Eh oui, cette équipe domine cette rencontre depuis le coup d'envoi, mais elle a eu beaucoup de mal à traduire cette domination au tableau d'affichage. En voyant ces images, on a quand même envie d'avoir une pensée pour le gardien qui, en réalité, ne pouvait pas faire grand-chose pour éviter ce but. Une histoire qui met le score dans cette rencontre. On entre dans le dernier quart d'heure de cette rencontre. Alors qu'un changement a été demandé, a priori. Ce sera pour le prochain arrêt de jeu. Ah, le ballon qui est finalement perdu. Écoutez, les supporters qui poussent en cette fin de match, ils savent qu'on est peut-être à un tournant de cette... rencontre. Ouais, grosse ambiance ici en effet. Il faut dire qu'il y a peut-être un bon coup à jouer, les joueurs le savent. Un joueur frais qui fait son entrée sur la pelouse. La mission, elle est simple, hein, aider à ses partenaires à tenir le résultat. Il cherche un coéquipier dans la surface. Django. Il ne maîtrise pas le ballon, il le perd. Rémi Walter, bien défendu. Steven Mendoza. Oh, que c'est bien donné ça. Il faut trouver une ouverture. Maintenant, le gardien qui peut facilement s'emparer du ballon. Il avait bien lu la trajectoire. Donc ça. 2 minutes de plus au minimum, c'est ce qu'indique le quatrième arbitre. Allez, il n'y a personne, il peut prendre l'espace. C'est l'attaque de la dernière chance, il ne reste plus beaucoup de temps pour égaliser. Allez, c'est terminé, à l'instant, les joueurs vont... Merci pour votre disponibilité pour répondre à nos questions. Merci pour votre disponibilité.